mars. Donc, je fais toujours très très simple. Donc là, j'ai pris de mon année en stickers de chez Toga. Je trouve très pratique. Du coup, je ne perds pas de temps à faire quoi que ce soit. Moi, c'est ce qui me va. Ensuite, j'ai directement fait mes semaines. Donc, je fonctionne comme ça. Très simplement, je me fais des écarts égales à peu près sur tous les jours. Et je me laisse une partie note. Ce qui me permet de mettre ce que j'ai fait, de le faire ressortir. Et si j'ai des choses que je dois reporter ou quoi, voilà, je me mets ça là. Ou des petites choses qui m'ont marqué ou autre. Voilà. Donc là, voilà, je fais tous les jours. Donc jusqu'au 31. Ici, on a la partie dépenses. Donc j'ai déjà quelques petites choses de noter. Les dépenses du mois de mars, donc ça va être autant des achats sur Vinted, des achats de laine, des achats de patron, des achats de tissus, de fil, bref, de façon à rester dans le budget que je me fixe de manière générale pour tout ce qui va être vestimentaire et créatif, et de savoir où j'en suis pour ne pas exploser les budgets. La partie mes réalisations, donc qui me permet de lister au fur et à mesure ce que j'ai fait durant ce mois de mars pour pouvoir comme ça présenter dans le podcast directement les projets et les retrouver très facilement. J'ai rajouté également une partie jardin potager parce que depuis peu, depuis février là, on a un jardin familial. Donc c'est un regroupement autour d'une association. Ils ont un terrain qu'ils ont divisé en parcelles et du coup on a une parcelle de 150 mètres carrés pour faire du jardinage, du potager, tout ça. Donc voilà, on prévoit d'y mettre des fleurs, des petits fruitiers, de se faire un potager avec de bons légumes. Donc ça c'est trop cool, donc pour marquer au fur et à mesure ce qu'on va faire. Donc c'est cool, il est prêt, il n'y a plus qu'à. Un peu de couture pour aujourd'hui. Là je suis en train de faire un pyjama pour ma grande. Donc c'est un jersey que j'avais eu chez RL Tissu, qui est super sympa. Donc, comme pour les autres, hein, je fais le leggings Kaline de Super Bison. Donc, vu qu'elle est toute menue, elle est en taille 8 ans. Et en longueur, j'ai allongé de 5 cm la jambe. Alors qu'Alexander fait la même taille, mais que lui, je suis obligée de raccourcir. Donc je lui ai allongé et voilà, il est tombé nickel chrome. Du coup, là j'ai déjà assemblé le t-shirt, il ne me reste plus que les ourlets des manches à faire. Donc je vais lui faire ça. Donc là pour le t-shirt, voilà. Il s'agit du patron Pornéves de Joue à Bisous, qui est un modèle gratuit, en tout cas qui était un patron gratuit, je ne sais pas s'il y est toujours, mais voilà, c'est un patron que j'ai depuis pas mal de temps, là, que j'ai pris dans mes débuts, et voilà, donc tout simple. Pour la mise, donc je lui ai fait en 8 ans. En 8 ans et j'ai plus que les ourlets à faire. Donc voilà.
J'ai fini les ourlets. Donc, je fais au point stretch sur la machine à coudre. Hop, donc là, j'ai fait en fait les ourlets dans un petit verre kaki pour rappeler un peu les arbres. Je trouvais que c'était sympa. Donc, voilà. Voilà le t-shirt. Et le leggings. Donc voilà, elle va être toute contente. Elle avait besoin d'un nouveau pyjama. Donc avant de partir sur les pyjamas été, ça lui fait un petit pyjama là à manches longues et leggings longs. Alors j'ai fini le pyjama pour ma grande et du coup j'ai ma mini louloute qui m'a réclamé également un pyjama. Donc comme elle en a besoin aussi, on a regardé toutes les deux dans les tissus que j'ai. Et en fait, elle avait un pyjama dans ce tissu-là. Donc à la base, je voulais lui faire une robe d'été dans ce tissu, mais elle l'a choisi pour un pyjama. Donc, je vais faire le même que pour sa sœur, toujours le leggings câlin de supervision. Et le t-shirt Port Neves de Joie Bisou. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est parti. Je me rends compte que je ne vous ai pas encore trop parlé de mes encours tricot pour cette semaine. Alors, tout d'abord, il y a le gilet bretzel de Nadia Crétin-Léchelle. Donc, que je fais avec de la Charisma, donc, que j'ai détricoté d'un projet. Donc, c'était un pull que j'avais fait pour mon mari l'année dernière. Donc, du coup, je me fais ce gilet. Donc, ça, c'est cool. Je suis trop contente. Les torsades rendent plutôt bien. Super sympa. Donc, il avance tout doucement. Mais j'aime bien me mettre dessus de temps en temps. Donc, je l'ai commencé lundi. Je n'ai pas fait grand-chose, mais... J'aime bien de temps en temps le prendre. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les petits, pour faire les torsades, je suis coupée à chaque fois autrement. Donc, je le fais vraiment les matins où j'arrive à me réveiller avant eux ou le soir au calme. Mais voilà. Donc, ça. Autrement, assis. Je vous emmène. Je les ai mis où? Là. Non. Donc, hop. Donc, dans mon petit pochon de Lily comme tout, je vous pose, ça va être plus pratique. On a un peu penché. Tant pis. Donc, ma règle à chaussettes. J'ai commencé pour mon mari, du coup, une paire. Donc, que je fais avec le reste de Fabelle, où je lui avais déjà fait une paire. Hop. Et donc je les tricote en même temps. Donc ça c'est pareil, j'ai dû les commencer lundi je crois. Hop. Mon petit fil.
Donc là, j'ai pas fini les côtes encore. Mais voilà, ça avance tranquillement. Les deux en même temps, ben moi j'aime bien. Au moins quand ça sera fini, ça sera fini. Pour le moment, je m'en sors bien comme ça, donc c'est cool. Donc je vais lui faire les côtes talons et pointes en fonction de ce que j'aurai. Donc en bleu et ensuite j'ai une pelote de noir. Mon stock. Donc je vais lui faire en bicolore comme ça. Ça lui convient. Quand je lui en ai parlé, ça allait. Donc bah, je vais faire ça. Pour bloquer au niveau de mes aiguilles, j'ai plein de petits élastiques comme ça. Vous savez où on faisait les bracelets bah, les bracelets élastiques. Donc il me reste plein de petits élastiques comme ça. Du coup, ben, pour bloquer l'aiguille, pour pas que les mailles viennent à sortir, que les aiguilles se tirent, c'est bien pratique. Donc voilà mes deux nouveaux encours. Autrement, j'ai mon tricot toujours de la Miroménil. Bon, qui avance tout doux. C'est pas. Là, cette semaine, c'est vrai que je l'ai pas encore trop pris. J'ai fait un ou deux rangs de tête. Donc là, il est en bas. Et voilà. Bon, j'ai pas trop tricoté non plus. Bon, un petit peu sur. Comment? Sur lui. Mais autrement, mardi, c'était l'anniversaire de mon mari. Donc c'est vrai qu'on en a profité pour aller se balader. Hier, c'est pareil, il faisait beau, donc on s'est baladé aussi. Puis en rentrant, je me suis fait vite fait un petit sweat qui d'ailleurs me gêne un petit peu. Donc il est un petit peu trop près du cou. Mais bon, c'est vraiment le sweat pour le matin, tranquillou à la maison. Donc c'est pas grave. Autrement, là, je vais voir. C'est l'heure de la sieste d'Elina. Alex s'est posé aussi en bas. Je vais voir dans ce jersey de viscose pour me faire le leggings de Samba de Vanessa Salin. Je vais essayer. J'ai décalqué déjà le patron. Faut que je revérifie bien au niveau de mes mensurations. Mais bah là, ça m'a fait décalquer un taille 50. À voir. Habituellement, je suis plus entre le 46 et 48. Donc, on va voir, hein, de toute façon. Voilà, quoi. C'est vraiment bah, pour dormir. Me faire un petit leggings comme ça. Pour traîner le matin, le week-end. Voilou, voilou. Je vais me faire ça, je pense, là. Là, tout de suite, ça va être vite fait. Je ne vais pas changer mes fils de surjeteuse. Ils sont en blanc. C'est pour la maison, ça ne me dérange pas. Puis c'est pour faire un essai. Donc, je n'ai pas envie de m'embêter. J'ai encore jamais fait ce patron. Alors, j'ai découpé mon tissu pour faire donc mon legging Samba. Donc, j'ai découpé les deux pièces. Et pour la ceinture, je vais faire comme pour les bas de pyjama de mes enfants. Je vais juste mettre une ceinture, un élastique, c'est les élastiques pour caleçon. Donc voilà, c'est tout doux d'un côté, c'est vraiment confortable ce genre d'élastique. Donc vu que c'est un leggings pour rester à la maison, pour mettre le matin, tout ça, ou le week-end, voilà. Du coup, je vais faire très simple. Et vu que c'est le premier, je me prends pas la tête. On va voir ce que ça donne si la taille 50 me convient bien, mais bon, il n'y a pas de raison, j'ai suivi le tableau des tailles, donc voilà, je continue. Thank you.
va faire l'essayage. Donc là, j'ai fini le leggings. Il ne reste plus que l'ourlet du bas à faire. Donc, je vous montre ça. Ben, ma foi, il est plutôt pas mal. Au niveau de l'élastique, je suis bien. Donc, il n'y a plus qu'à faire l'ourlet en bas. Et ça sera bon. Nickel.